Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Les portes du stade ont ouvert il y a environ une heure et les tribunes sont déjà pratiquement pleines. Ambiance magnifique et puis ce grand soleil qui brille depuis le début de la journée. Bref, tous les ingrédients sont là, tout le monde attend cette rencontre depuis des jours. On ne parle que de ça ici, dans les journaux, au café, entre collègues. On va vivre un très beau match de football. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. En voici une belle affiche entre deux équipes de très gros calibre. Oui, c'est même presque dommage que ce soit un match amical. Après, l'avantage, c'est que sans la pression du résultat, les entraîneurs peuvent tenter des coups. Essayer de nouveaux systèmes, lancer un nouveau joueur. C'est un peu comme une répétition générale. L'arbitre donne le coup d'envoi. Mais c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. Bien, la profondeur. Il met le ballon dans la surface. Oui, encore une occasion manquée. Ils étaient quatre devant le but, mais malheureusement, ça ne donne rien. Un long ballon vers l'avant. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Et ce ballon vers ses attaquants. Il y a peut-être... Il tire ! But ! Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. C'est clair qu'il ne lui a pas fallu longtemps pour démontrer tout son talent, encore une fois. Mais vu la situation, c'était obligé de se terminer comme ça. Il s'est créé de l'espace. Il a parfaitement profité d'une petite erreur de concentration de la défense pour marquer ce but. Bien joué ! Ils sont déjà menés dès les premières minutes de cette grande affiche. Ça joue long vers l'avant. Dans la profondeur. Quel jaillissement! Dans la surface. La tentative! C'est au fond des filets! Ils sont vraiment entrés dans ce match de la meilleure des manières possibles. Quelle grosse frappe, et pourtant il était loin. On parle souvent de la trajectoire imprévisible des ballons modernes, mais là, on savait exactement où ça allait finir, dans le but. C'est reparti sur ce score de 2-0. Ils ont l'air sonnés en face, Grégoire. Il va vite falloir trouver des solutions pour arrêter l'hémorragie. Faute, oui, l'arbitre a sifflé. Il joue sur sa gauche. Il cherche son coéquipier. Il était bien présent. Le ballon dans la profondeur. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Il préfère jouer avec son gardien. La frappe, attention! Sur le poteau, c'est au fond du filet!
Gakpo s'est levé hors jeu. Sa joie aurait été de courte durée, mais le hors-jeu est indiscutable. Messieurs les joueurs, on se tait. Non, ça ne sera pas pour cette fois. Coup franc à venir, donc. Il est bien placé. C'est joué dans la profondeur. Il file vers le but. Ça peut être dangereux. Une parade magnifique. Quelle classe. C'était un arrêt extraordinaire. Premier corner dans cette rencontre. Il tente la tête. Elle était belle cette tête, mais ça ne suffit pas. Oh oui! Oh, l'occasion! C'était presque au fond. Ouh, quelle occasion! C'est déjà la pause, j'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. On avait une bonne entame avec une équipe sérieuse qui a visiblement bien appliqué les consignes du manager et qui est logiquement récompensée avec ses deux buts d'avance. Et ce n'est peut-être pas terminé. 2 à 0, c'est une avance déjà confortable. Et c'est reparti. Ils font bien tourner, mais ça manque de verticalité. Ils récupèrent le ballon, c'était un bon pressing. Dans la profondeur. La passe est précise. La passe dans la profondeur. Oh, la frappe! Oh, il résiste bien, il continue son one-man show. Oh, il fallait l'oser ce tacle. Voilà, un coup franc intéressant. Dernier avertissement oral de l'arbitre, la prochaine fois le carton va sortir. Il va peut-être falloir lui parler parce qu'il ne peut... Oh, l'intervention magnifique! Oh, le but d'un autre monde! Un moment de pure inspiration. Yes! Goal! Oh, qu'ils sont bien entrés dans cette seconde période. Oh, c'était parfait, le gardien ne pouvait rien là-dessus. Waouh, c'est une frappe fantastique! Qu'est-ce que c'est fabuleux de marquer de cette distance! Il ne compte plus maintenant qu'un but de retard. Ils n'ont peut-être pas brillé en première période, mais ça va mieux maintenant. Plus qu'un but de retard. C'est joué dans l'espace. Il frappe et il marque. Le break est fait, deux buts d'écart désormais. Oh, il était bien placé ce ballon, tout simplement imparable. C'est clair, c'était carrément hors de portée pour le portier. Il y aura donc touche. C'est l'occasion de procéder à un changement. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure.
elle a trébuché sur cette intervention. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Il a de l'espace. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Ce ballon bien dosé, bonne lecture de la trajectoire. Le ballon qui est remis dans l'axe. Il allonge le jeu. On joue sur l'aile, il est servi. La faute. Oh là, non, ça se bouscule, c'est chaud, ça ne sert à rien d'essayer de se faire justice soi-même. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Victoire, c'est donc la victoire finale pour cette équipe et franchement elle est méritée parce que techniquement, physiquement, mentalement, ils étaient vraiment au-dessus des autres. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre. Ils ont encore démontré que le chemin le plus court pour marquer, c'est de passer dans l'axe. Eh oui, mais bon, encore faut-il avoir les joueurs pour le faire. Merci Darren Tullet, vous avez été parfait comme d'habitude. Salut à vous, à bientôt. Merci Grégoire, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.